Ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté de race de chien, alors pour me rattraper, je vais vous présenter l'une des races les plus appréciées de l'Hexagone, le bulldog français. Il semblerait que le croisement entre le bulldog anglais et le terrier soit à l'origine de la race, dans les quartiers du Paris du 19e siècle. Le standard de la race est fixé en 1898. C'est un petit molosse classé parmi les chiens d'agrément et de compagnie. Le bulldog français se caractérise par sa morphologie trapue, sa queue courte et basse et sa tête aussi ronde que plate, lui donnant un air malicieux et attendrissant. Bien que de petit gabarit, le bulldog français est musclé et son ossature est épaisse, lui conférant un poids moyen compris entre 7 et 14 kg et une taille située entre 29 et 35 cm en fonction de son sexe. Bon, certes, son physique l'empêche d'être un grand sportif, mais le bulldog français est un chien enjoué, toujours partant pour s'éclater. C'est un excellent chien de famille qui peut aussi bien vivre avec des enfants que des personnes âgées, et il accepte parfaitement de partager son quotidien avec d'autres animaux. Mais attention, il ne conviendra pas à des grands sportifs férus de canicross ou de rando, et je vais vous dire pourquoi. Oui, le bulldog français est considéré comme un chien robuste, mais il est susceptible de souffrir de problèmes respiratoires, cardiaques, oculaires, articulaires, dermatiques. Bref, c'est une race qui souffre d'hypertype. L'hypertype, c'est une accentuation extrême des traits distinctifs à but esthétique. Et malheureusement pour cette race, certains éleveurs reproduisent des chiens toujours plus typés, provoquant des malformations et les problèmes de santé de plus en plus fréquents chez la race. Si bien que des associations se sont mises à le dénoncer aujourd'hui. Pour éviter au maximum les soucis de santé, il est fortement conseillé de bien choisir son élevage. Et vous, vous aimez ce chien ? Perso, je les trouve rigolos et il se trouve que l'un des meilleurs potes de Mac Jackson en est un. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Suropoil.